C'est encore du chocolat chaud? Non, merci. C'est bon, des becs au chocolat. Chocolat, c'est aphrodisiaque, ça? J'espère que non. Parce que je commence à être épuisée, moi. Fatiguée, un petit jeune. Veux-tu porter plainte? Non, au contraire. Mais il va falloir essayer d'être raisonnable. Hein. Je me suis endormie en pleine réunion l'autre jour. Ouais, puis moi, je suis arrivée en retard presque tous les matins. Ça, c'est sans compter la journée que je suis pas rentrée. Hein. Ah oui, cette journée-là. Ouais, je pense que t'as raison. On va prendre un petit break, une couple de jours. Là. Une couple de jours? Ah, moi, je pensais juste à ce soir, mais c'était déjà tanné. Je serais jamais tanné, tu sais bien. Mais trop trippant. Fait que ce soir, on est sage? On est sage. OK. Bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Tu comprends? Je pense que c'est mieux d'être raisonnable. De se reposer. Oui, c'est mieux, oui. Bonne nuit. Dors bien, là. Oui, merci. Toi aussi, dors bien. Tu vas pas te coucher? Non, vas-y, moi, je vais finir de déblayer ici. C'est bon. Ah, ben non, garde, vas-y. Je vais finir, moi, de nettoyer. Ah, salut. Oui. Sais-tu si les Canadiens ont gagné? Ah, je sais pas, j'ai pas écouté la télé. Puis, comment était ta soirée? Très occupée. Tu veux Michel? Qui ça? Tu faisais le fantôme, là? Non, il était pas là à soir. De toute façon, même quand il est là, il est pas là. Il travaille pas, il flotte. Il est tellement dans la lune, là, il appelle Marjolaine Maryse. Il amène pas les bons animaux, il oublie de fermer les portes. Pas ce qu'il fait, mais il voit plus clair. C'est ça, l'amour. Oui, c'est ça, l'amour. Raggett doit lui aussi se signaler, notamment devant Scott Young. Qu'est-ce que tu fais là? Isabelle, je veux voir les buts! Isabelle! Oh, mais voyons, c'est pas possible! Dis-moi pas qu'on est déjà rendu un vieux couple! Je m'assois sur tes genoux, puis tout ce qui t'intéresse, c'est de savoir quel moron a lancé le puck dans le filet. Isabelle, j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui, là. Je file pas romantique. J'ai juste le goût d'écouter les nouvelles du sport, puis d'aller me coucher après. C'est ça que je disais. T'es fini. Oh, Louis, quand on a commencé à sortir ensemble, tu faisais ta journée à l'université, tu venais me rejoindre sur le pouce. On passait la nuit ensemble. Tu partais à 5 heures le matin, t'avais presque pas dormi, puis t'étais jamais fatiguée. C'est normal, Isabelle, l'attrait de la nouveauté, la passion des débuts, ça peut pas durer toujours, ça. Tu m'aimes-tu encore? Bon, qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi? Tu vas être menstruée, c'est ça? J'ai mon voyage. Tiens! Garde-les tes nouvelles, c'est important! Isabelle! Mon Dieu, c'est quoi ça? François? François, veux-tu me dire qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là que je suis dans mon lit? C'est ta fille qui m'a mis dehors parce que je ronfle trop fort. Là. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas chez Louise, là? Ben, je suis rentré, c'est plate, hein? Va-t'en chez vous, là! S'il te plaît, Julien, OK? Je te dérangerai pas, c'est parce que là, j'ai pas le goût de sortir, là. J'ai la grippe, je file pas, j'ai de la fièvre, là. C'est pour ça que je ronfle, j'ai le nez bouché. T'es bouché à l'année. Oh, c'est vrai que t'es chaud. Alors, tu prends quelque chose? Ouais, ça va aller, c'est correct. Non, ça va aller, mais pas dans ma chambre, hein? Oui, dans le salon. Là, François, prends mon oreiller, t'as bavé dessus. Ah. Hey, Julien, j'aurais pas bavé sur ta couverte. Non. Oh, mon Dieu. Je suis allée chercher, tu les barres. T'aurais pas dû, hein? À soir, c'est chacun dans notre chambre, on dort. Bah, on a toute la vie pour dormir, non? Mais t'as raison. Tu veux-tu des œufs? Non, j'ai pas le temps. Oh,
Je m'en fous, Julia. Elle va être encore en tort. Eh hey, ben, attends, attends. Mange au moins ça, hein? Ouais, merci. Bye. Bye. Mm-hmm. Allez, 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 hausse. Attends, attends, attends. Attends, c'est l'heure de te réveiller. Tu dois avoir mal dormi, hein? T'aurais pu venir te coucher dans le lit. Ça ne tentait pas. Je comprends. Je m'excuse pour hier soir. C'est à cause de Maryse puis Michel. Ça me fout les bleus de les voir aller. Ils ont tellement l'air amoureux. On était comme ça aussi, toi puis moi. Isabelle, est-ce que tu penses qu'on s'aime moins parce qu'on fait pas l'amour à tous les jours? Mais non, mais... Ça te manque pas à toi, le kick du début? Je tremblais, moi, juste à entendre ta voix au téléphone. Tu faisais juste me toucher à la main, puis j'avais des frissons partout. Isabelle, je t'aime encore plus. Beaucoup plus qu'au début, mais... Je te jure. T'es tellement belle. J'ai peur, Louis. Je veux pas qu'on arrête de s'aimer. Ben moi, je peux pas me passer de toi. Je peux même pas m'imaginer sans toi. Si t'es pas là, moi, je crève. Puis t'as raison, on se néglige de ce temps-ci. Ça fait que ce soir, on sort en amoureux. Puis à part de ça, je peux même t'assurer d'une chose. Si tu continues à me préparer mon petit déjeuner comme ça tous les jours, là, ben, je vais t'aimer encore... Tu fais plus longtemps. T'es macho! Je m'excuse, mais ça avait vraiment pas d'allure. J'avais l'impression d'être à côté d'une autoroute. Ouais. Sauf que là, c'est moi qui l'ai entendu ronfler toute la nuit. Même la porte fermée, je l'entendais. Les murs en branlaient. Ben, je suis désolée. Il m'avait dit qu'il monterait en haut prendre des médicaments dans ta pharmacie puis qu'après, il s'en irait chez eux. Je pensais pas qu'il passerait la nuit ici. Hey, j'espère qu'il m'a pas donné sa grippe, lui, là. Oh! Hey, je t'ai dit qu'une bonne douche chaude, hein? Y a rien de mieux. Je t'ai dit que ça te débloque un nez, ça. Je suis contente que t'ailles mieux. T'aurais quand même pu aller coucher chez vous. Julien aurait pas eu à t'endurer. Ben ouais, mais je filais pas hier soir. Tu le sais, j'ai passé la journée à t'en gnifler dans les oreilles, là. Ça me tentait pas d'aller chez nous, ça te dérange-t-il, ça? Ah bon, bah bon, OK, hein, regardez-vous pas pour ça. Veux-tu manger quelque chose? Non, non, c'est correct. Moi, plutôt prendre beaucoup de liquide et retourner me coucher. Pas ici. Ben, si ça dérange pas trop, Julien. Coudon, ton appartement est-tu infesté? Ben non, c'est pas ça, là. C'est juste que j'ai ici être malade seul, c'est plate. Soyez donc bon, l'humanité souffrante, là. Oh, arrête, là, tu vas me faire brailler. En tout cas, compte pas sur moi pour te soigner. Mère Teresa puis moi, c'est deux. Puis moi, j'ai autre chose à faire que de m'occuper d'un gars de 26 ans qui a une petite grippe. Une petite grippe? Voyons donc, toi. J'ai l'œsophage complètement ravagé. J'ai trois quarts des poumons sûrement bloqués. Puis j'ai le cerveau qu'on dirait qu'il veut me sortir de la tête. Ah, mais laisse-les sortir. On n'a pas de misère à trouver un meilleur. Maudite gang de sang cœur. Oh, toi, je te dis... Non, OK, tu peux rester. Ah, ben là, c'est ton problème, hein. C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui le gardes. Je veux pas te tuer en bas, j'ai un travail à finir après-midi. Toi, t'es un chum, mon Julien. T'es décollant. OK, je vais me retourner mes tempes, moi. Hey, Gab, ça tenterait pas de venir me frotter pour que ça débloque, là? Non. Julien, hein, toi, ça tente-tu de me... OK. Moi, je vais juste guérir moins vite, puis il va falloir que je reste plus longtemps, c'est tout. Tiens, je suis content de voir que t'es encore capable de manier le bâton. Tu veux dire? Ben, comme t'es pas venu jouer au hockey depuis deux semaines, tu savais peut-être plus ce que c'était que d'avoir un bâton entre les mains. Inquiète-toi pas, pour mon maniement du bâton, je l'ai jamais autant pratiqué. Ouais, ça, je suis sûr et certain, mais... Faudrait pas que tu sois surpris si on te remplace par quelqu'un d'autre un jour, hein? Docteur Dufour, première ligne. Devrais peut-être dire à Maryse qu'elle te lâche un peu. Hey, ce qui se passe entre Maryse pis moi, t'en regardes pas, ça? Si j'ai pas envie qu'elle me lâche, comme tu dis, c'est bien de mes affaires.
pas juste le hockey dans la vie, hein? Il y a pas juste le cul dans la vie. Hey, ça me regarde! Ben, ça me regarde aussi, tu sauras! Je te reconnais plus! T'es plus là! Tu travailles en sans dessin, t'es toujours dans la lune! Écoute même plus de musique! Réveille Arsenault, parce que non seulement tu vas perdre ta job, mais tu vas perdre tes chums aussi! Hey, OK, ça va faire! Déjà, Constantin, un matin, m'a passé un sapin, pas besoin d'un autre, là! Là, je m'excuse, Michel, là! Mais fais quelque chose! J'ai pas envie que ça change. J'ai jamais été en amour de même. Sortir avec une fille avant Maryse, ça vaut même pas le dixième de ce que je vis là. Tellement belle, tellement sensuelle. Bon, OK, arrête, là, c'est correct. J'ai jamais été en amour, toi? Oui, j'ai déjà été en amour, puis je le suis encore, mais j'ai jamais perdu la tête comme toi. J'ai toujours su garder les deux pieds sur terre. Ben, tu dois être bien plate. Isabelle peut bien s'ennuyer aussi. Marjolaine, deuxième ligne. Comment ça, s'ennuyer? C'est quoi cette affaire-là, là? S'ennuie pas partout, tu sauras. Ça, c'est encore des histoires de Maryse Lemieux, hein? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Clinique vétérinaire du four. Oh, 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 oh! Arrête de crier, hein? Quelle démo! Oh, ouais, 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 excuse-moi, là. Ouais, je l'ai oublié. Ouais, je fais ça après-midi. Promis. Ben oui, promis. Ah, c'est ça. Bye. Ça va? Oh, et c'est à Dan, là. Hmm? J'ai oublié d'envoyer le démo à l'Empire des futurs stars. Je devais faire ça il y a une couple de jours. Bon cul, là, regarde-moi pas de même, j'ai compris. M'excusera de des choses à faire avant le show d'asseoir. Julien! Julien! Qu'est-ce qu'il y a encore? Une frette, là. T'aurais pas une autre couverte? Ben, on monte le chauffage, je sais pas, là. Hey, François, j'ai passé l'avant-midi à répondre à toutes tes caprices. Le haine au taraillé, va me chier du sirop, j'ai plus de Kleenex, j'ai mal partout. Ah, mais je suis malade, Julien, là. Quand tu seras malade, je ferai même affaire pour toi. Hein. Ouais, ben, je t'en demande pas tant. Mais, comme t'as l'air malade comme un chien, je t'ai préparé le remède de ma mère pour les rhumes de poitrine. Ouais, je suis malade comme un chien, certain, toi. Avec la fièvre que je fais, en plus, je me sens comme un hot dog stimé. Non, hein. Oh, ben c'est parfait, ça, mon petit chien chaud. Je t'ai préparé le remède idéal pour te faire monter la stime. Une mouche de moutarde. Une mouche de moutarde, qu'est-ce que c'est ça? Relish ketchup avec ça? C'est quoi, cette affaire-là? T'es sur le ventre, puis lève ton chandail. Ah. Oh. Mieux de fonctionner ton affaire. Je suis gelé. Oh. C'est infaillible. Ah. On respire un grand coup. Yeah. Ah. Ah. Ça, comme une grippe. Yep. Ça va faire effet, ça sera pas long. Ouais, t'as aussi bien de me mettre au four à 350 avec ça, toi. Ça sera pas nécessaire. Quoi tu veux dire par là, toi? Hey, Julien, amène-toi ici. Alors, le dernier Pearl Jam. Et regarde le beau foulard que j'ai trouvé. Il va être cute là-dedans, non? Je pense que t'es folle. Oui, complètement. Et je m'assume. Ça n'a pas de bon sens. Si je me retenais pas, là, je passerais mon temps à y acheter des cadeaux. Mmh. Ça doit être ton instinct maternel. Non. Sérieusement, je te trouve bien chanceuse. Je suis même jalouse. Jalouse de Michel? Mais non, tu sais qu'est-ce que je veux dire. J'aimerais ça que ça soit encore comme ça avec Louis. Mmh. Quand je vous regarde aller, je me rends compte qu'on est un vieux couple. Ben, prends-toi un amant. Ah, Maryse. Ben quoi? J'ai pas envie d'un autre gars. J'ai envie que Louis redevienne un amant. J'ai l'impression qu'il fait juste sortir les vidanges. Isabelle. Ouais, bon, j'exagère un peu. Non, il fait des efforts. Ce soir, on sort en amoureux. Ah, ben c'est bien. Ben pourquoi vous venez pas avec nous autres à la place, hein? C'est bon pour un couple de voir d'autres couples en amour. Ça stimule. Ça donne envie d'aimer et d'être aimé. Ah oui? Ben, je suis psychologue, oui, non? OK. Là, tu bouges pas. Hey, hein? Ça n'a pas de bon sens, ça me chauffe, la pointe en train de me décoller. Ben, arrête de faire la momoune, ça agit. Julien, si tu m'enlèves ça, là, je t'écœure plus de la journée, je te le jure. Je te jure? Je te le jure. OK. OK. Ouais. Ah ouais. Ah. Ah ouais. Ah. Yeah, oh. Oh. De quoi, c'est haut? Oh. Ben, je me souviens pas de la recette exacte. J'ai peut-être un petit peu exagéré avec la moutarde, là. Quoi, ça, exagéré, là? Ça veut dire quoi, là? Tu niaises, c'est quoi? J'ai des cloches d'eau, je suis brûlé au troisième degré. Non, non, non. Faut juste éviter de passer devant des détecteurs de fumée pendant quelques jours. Quoi?
ferme-moi là. Hein? Non, mais regarde-moi ça, toi, une petite journée de repos, j'étais un vrai homme d'œuf. J'ai-tu cassé ça assez vite, cette petite grippe-là, moi? Hein? Non, mais en grand forme, c'était un grand forme pareil. Hein? Ouais, pas mal impressionnant. Ce matin, t'étais à l'article de la mort, puis là, tu t'apprêtes à sortir. Un vrai miracle. Ça doit être ma mouche de moutarde. Laisse faire ta mouche de moutarde, t'as encore des traces dans le dos. Alors, mais faut quand même que je sois honnête, mon Julien. Tu m'as très bien soigné. Ta petite soupe ce midi, là, puis l'humidificateur dans la chambre, là, pas mal génial, ça. Pas mal content de t'avoir aidé à pratiquer. Pratiquer? Pratiquer quoi? Ben là, quand tu vas habiter avec Louise, là, va falloir que tu saches comment soigner ça du monde malade. Avec ses deux flots. Alors, qu'est-ce qu'a fait ta fille, là? On doit aller voir le groupe Abuchet, nous autres, là. Hein? Pourquoi tu viens pas avec nous autres? Hein? Ben, amène Louise. Elle a l'air d'aimer ça, Sweeney, d'après ce que je veux pas entendre, là. Des fois, toi, je me demande de quelle planète tu viens. Ah, on sait pas. Aïe, 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 mais t'es super écœurante. Wow! Hey, trouvez-vous que c'est trop? Ah, ben non, moi, je dirais que c'est pas assez. C'est pas plus grand que mon linge à vaisselle. Ah oui, j'ai une subite envie d'essuyer la vaisselle. Oui, 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 donc. Je suis désolé. Je sais pas, ça devrait pas être trop long. Ben vas-y, je te rejoindrai là-bas. Michel doit déjà être rendu, là. Au moins, tu seras pas tout seul. Oui, c'est ça, je fais le plus vite possible. OK. Isabelle, je t'aime. Je sais qu'il va arriver dans pas grand temps. En tout cas, regarde, je sais que je te l'ai déjà dit, mais vraiment, là, je te trouve écœurant. Hey, vous voyez pas qu'elle est belle, ma blonde? Hein? Arrête, je veux plus l'enlever, cette jupe-là. Es-tu malade? J'espère que tu vas pouvoir l'enlever. Y a-tu quelqu'un qui prendrait quelque chose à boire? Ne fondez pas tout en même temps. Excuse, Isabelle, qu'est-ce que tu disais? Je disais que ça faisait beaucoup de bien d'être avec des amoureux. C'était très, très bon pour moi. Là, je t'annie, là. Va aller rejoindre Louis. Ça te dérange pas que je m'en aille? Hein? Non, c'est correct. Prends ton temps. Hey. J'ai lancé. Bon, ben c'est bien ce que je pensais. Une fracture. J'en ai encore moins pour 2 heures. Isabelle va me tuer. C'est quoi ça? Isabelle? Non, chaton, c'est bien long. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai mis de t'attendre. Je suis désolé, là, mais ça va être plus long que je pensais. Retourne au bar. Non. Moi, je retourne pas ce chez-là. Je vais rester avec toi, je vais t'aider. T'es sûr? Oui. Je me sens trop là-bas. Comme tu veux. Elles sont écœurants, hein? Fesse dans le tas. Ouais. Et puis donc, Michel, avez-vous acheté à la place? J'ai l'impression que c'est le temps de honte ici. Ben, fait 2 mois. Là qu'on est spédé comme Ben, marche au bas. Ouais, bon, mais je suis content que ton Ben soit capable de marcher tout seul. À cette heure, tu vas peut-être pouvoir venir jouer au hockey avec nous autres. Ben, juste manquer une coupe de game. Hey, une coupe ou 4. 4 ou une coupe, c'est pareil. En tout cas, t'en manquais pas une avant, hein? Je me demande bien si c'est à cause de toi que t'en manques tant que ça, là. Oui, Maryse, t'aimes ça, le hockey? Non, j'aime pas ça, mais bien le sport. Les joueurs, par exemple. Donc, te vois-tu que pour être un joueur, faut jouer une fois de temps en temps, hein? Comme là, si tu veux qu'on te le garde en forme, ton petit Michel, va voir que tu nous le passes 2 soirs par semaine. Ah, moi, je le trouve dans une forme parfaite. Oh boy, c'est l'amour, hein? Hey, dis-moi donc, toi, entre toi et moi, tu te trouves pas un peu petit, il me semble que d'habitude, t'as peut-être... Aïe, 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 aïe. Ouais, très bien. Bon, Michel, téléphone. Merci, Damien. Hey, entre toi et moi, là, ça te dérange pas trop la différence d'âge, parce que... Non, ça me dérange pas. Toi, Gabriel, comment tu fais ça?
Vois-tu, des fois, je trouve ça difficile de vivre avec quelqu'un qui a 12 ans d'âge mental, là, mais c'est bien, ça développe mon instinct maternel. Hey! On l'a eu! De haut, ils vont jouer à l'Empire des futurs stars! Bon boulot, Docteur Dupré. On a sauvé le minou. Oui, je suis contente. C'était génial. Je t'avais jamais vu travailler. Mm-hmm. C'était beau à voir. Hein? Quel talent. Surtout quand t'as mis la petite broche dans le mâchoire, là. C'était du grand art. Merci beaucoup. As-tu vu l'heure? Notre soirée d'amoureux est à l'eau, je suis désolée. On a passé une belle soirée pareille. T'as supposé de sortir? Tu m'en veux pas trop? Mais non, on est ensemble, on a sauvé la vie d'un chat. C'était merveilleux. Tant mieux. Je suis content parce qu'il faut qu'on reste un petit peu pour être sûr qu'il est avec. Est-ce qu'on est obligé de rester à côté de lui? Pas vraiment, non, mais faut juste venir le voir de temps en temps, c'est tout. C'est parce que j'ai trouvé ça très, très, très intéressant tantôt dans la chambre noire quand tu m'as montré à développer une radio. Hum? Ça te tente pas de me l'expliquer encore? Pourquoi? Bon, quand même pas ici. Quoi? C'est interdit? Pas vraiment, non. La chambre noire, t'es sûr? La chambre noire pour commencer. On n'a pas pendu la crémaillère à notre façon ici. Hein? Après tout, t'es associé, c'est un peu comme chez toi. Faudrait baptiser chaque pièce. La salle de traitement, les deux salles d'examen, la salle d'attente, la réception, la cuisine, le bureau du docteur Dufour, le chenil, la salle de chirurgie puis la chambre noire. Il faut commencer de suite.